Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Last of Us. On est sur un nouveau jeu. On se retrouve pour un nouveau gameplay. Voilà, The Last of Us. Encore une exclusivité PS4. Donc, je joue sur que sur la PS4. Comme Uncharted. Produit aussi par Naughty Dogs. Donc, ça sera pareil, je pense. Bon, comme d'habitude, les paramètres. Luminosité, 1 sur 10. Sortie, langue, ok, crédit, on s'en bat les steaks. Left behind. Ça fait un bout de temps, je veux bien rappeler les commandes, tu connais les commandes, parti, peut commencer. Bon. J'ai joué le jeu pour la première fois, donc ce sera mode normal. Nouvelle donnée. Voilà. Let's go, baby. Tommy, écoute-moi. C'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, ok? Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok? Oui, on en reparle demain matin. Ouais, ok, bonne nuit. Hey. Tu me fais une place? T'as eu une dure journée? Qu'est-ce que tu fais debout? Il est tard. Oh mince, quelle heure il est? Il est largement l'heure d'aller te coucher. Mais c'est encore aujourd'hui. Oh chérie, non, pas maintenant, je suis trop fatigué pour ça. Tiens. C'est quoi ça? Ton anniv? Trop chou. J'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît? Oh chérie, c'est... C'est gentil, mais... Je crois qu'elle s'est arrêtée. Elle... Quoi? Non, 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 non! Avec quel argent t'as acheté ça? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes rêves. Oh. Allô? Sarah, chérie, il faut que je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy? Allô? Qu'est-ce qui arrive? Mais qu'est-ce qui se passe?
Mince. J'ai oublié de lui donner ça. Au fire, tu n'es jamais là, tu testes la musique que j'écoute, tu me ferais carrément les films que je fais pour ton guitare. Bon, tu arrives à gagner la meilleure des peurs. Comment tu fais pour faire ça pour prendre des bisous, Sarah? Bon, donc elle s'appelle Sarah. Oh, la vieille télé. Papa? Oh, bathroom. Explosion des admissions dans les hôpitaux de la région. 300% de ça se fait une série d'infections. Quand on finit de savoir, je rappelle ma cible de police. Une femme hystérique tue son mari et trois autres victimes. Ouh là là. Chou. Papa. Dad. Dad, you here? Tu es là? Les émeutes sont en fait liées à la pandémie qui frappe tout le pays. Qu'est-ce qui t'est passé? D'après nos sources, les patients souffrant de l'infection montrent des signes croissants d'agressivité et... Qu'est-ce qui arrive? On dirait qu'il se passe quelque chose derrière nous. Merde. C'était quoi? Oh shit. Belle maison. Qu'est-ce qui se passe? C'est son téléphone. Qu'est-ce qu'on a? Going to be. I'm late now, it's gonna go ahead. Où est-ce qu'il est? Il t'appelle en absence. Hey. Et où est-ce que t'es? Appelle-moi. J'arrive bientôt. Oh, il m'a fait peur. Je suis pas une petite fille, mais j'avais peur quand même. Ah, il est là. Te voilà. Sarah, tu vas bien? Ouais, et toi? Est-ce que quelqu'un est venu? Non, quelqu'un devait passer. N'approche pas des portes. Ne bouge pas d'ici. Papa, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe? Maman aussi. C'est les coupeurs. Qu'est-ce qu'ils ont, les coupeurs? Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie? Eh merde. Putain. Jimmy! Papa! Chérie, viens là, viens là! Jimmy! Jimmy! Jimmy, je te préviens! Non! Allez! Allez! Sarah! Écoute-moi. La situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici, tu m'as bien compris. Ok. T'es au courant de ce qui se passe dans le coin? On peut dire ça. Putain de merde. Il y a du sang partout sur toi. C'est pas le mien. Tirons nos distances. Il paraît que la moitié de la ville a perdu les pédales. Est-ce qu'on peut y aller, s'il te plaît? Hé, Sarah. Comment ça va, chérie? Fine. And you? On peut allumer la radio? Ouais, bien sûr. Merci. Pas de radio. Ouais, tout se passe bien. Il y a une minute, le journaliste s'arrêtait plus. Ils ont dit où aller? Il disait... l'armée installe des barrages sur la nationale. On rentre plus dans le comté de Travis. Ça veut dire qu'on doit décamper d'ici. Non, la 60-60. Ils ont dit le nombre de morts? Sûrement un paquet. Toute la famille a été retrouvée mutilée dans sa maison.
comment c'est arrivé? Personne ne le sait. Mais c'est pas seulement ici. Au début, il parlait juste du sud. Maintenant, il parle de la côte est, de la côte ouest. Merde. C'est la ferme de Louis. J'espère que cette enfoiré s'en est tiré. C'est la ferme d'Herschel de, dans la fin de la saison de Walking Dead. C'est comme ça que ça s'est terminé. Bien sûr que non. Merci, merci. Il disait que c'était les gens de la ville. Jimmy ne travaillait pas en ville? Si, c'est ça. Alors tout va bien, prends-moi. D'accord. Voyons ce qu'il veut. Des gens? Qu'est-ce que tu fabriques? Continue. Ils ont un gosse, Joël. Nous aussi. Mais on a de la place. Continue, Tommy. Oh, les pauvres. Vous n'avez rien vu. Quelqu'un d'autre passera. Et les embouteillages, bien sûr, avec des zombies, ça fait deux. Tout le monde a eu la même idée. Ah merde. Oh merde. Ouais, c'était pas une bonne idée. Je fais de mon mieux. Oh, le vieux. On peut pas rester ici, Tommy. Je peux pas leur foncer dessus. Alors fais demi-tour. Ils sont aussi à mon cul. Là, là, là. Accroche-toi. Allez. Merde. Putain. Ça commence. Recule, Mathus. Recule. Ça commence bien. Boum! Dans ta gueule. Je suis là, chérie, je suis là. Donne-moi la main. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal à la jambe. Mal comment? On va devoir courir. Je compte sur toi. Allez, ma puce. Accroche-toi bien. D'accord. Eh merde. T'es mort! J'ai peur. Garde-les fermés, ma puce. Ça, pousse-toi. Où c'est vous? Eh merde. On va s'en sortir, c'est promis. Ils ont peur de ouf là. Ils ont jamais vu des zombies ou quoi? C'est par là, je pense. Merde, débat par là. Ouais, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Vite, vite, ok. Merde, on a un zombie ici. Prends-en. On y est presque. Je sais pas. On y est presque, mon cœur. Aucune idée. Il passe la barrière. C'est son frère. Avance. Il trouve une issue. Allez. Joël. Mène-toi. Prends la nationale. Vas-y, t'as ça. Moi, je peux l'espérer. Oncle Tommy. On se retrouve là-bas. Dépêche. On y est presque.
Cours, tu retournes pas. Oups. Ça va, chérie, c'est fini. C'est fini. Hey, on a besoin d'aide. Stop, s'il vous plaît. Enfin, c'est l'armée. Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas. Ok. Nous ne sommes pas malades. J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres? Papa, où est oncle Tommy? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok. Chef, il y a une petite fille. Non, quand même. Putain, il lui a ordonné de les tuer. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste... Oh merde. Putain. Je vous en prie. Boum, Tommy, mon pote. Oh non. Eh merde. Qu'est-ce qu'elle a? Putain. Ok. Enlève tes mains, chérie. Non. Je sais, chérie, je sais. Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va aller, chérie, reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Calme. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah. Chérie. Putain. Ne fais pas ça, chérie. Ne fais pas ça. Allez. Non. 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 Pitié. Oh, Dieu. Pitié. Je sais plus quoi dire. Pitié. Ça s'annonce mal. Hein. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour protéger nos citoyens. Los Angeles est désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres. Et les émeutes durent depuis maintenant 3 jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des 2 attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de 6 membres présumés des Lucioles. Votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdu dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. Bon, les gars, je crois que c'est la fin du premier chapitre ou prologue, je sais pas. C'est peut-être un prologue. On se retrouve après pour une nouvelle vidéo.